Alors, je suis à l'aéroport de Mineralnievodi. Mineralnievodi qui se trouve dans le sud de la Russie. Sud côté Caucase, c'est-à-dire direction la Géorgie. Donc le programme, je le connais pas encore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vous emmène sur les pentes du mont Elbrouz. On a démarré à 2700 mètres et puis on monte à 3100. Vraiment histoire de s'ouvrir les poumons, prendre un peu la température, l'air. Et voilà, admirer le paysage qu'il y a derrière moi. Donc le mont Elbrouz, coincé dans les nuages. I speak to my camera. Yeah, it's like my best friend, you know? Yeah. Oh, okay. Oops. J'ai la chance aujourd'hui de monter dans un camion russe. La dernière fois que j'étais en Russie, j'en ai vu passer plein. Et j'ai jamais eu l'occasion de monter dans un beau camion russe comme ça. Et c'est un peu un rêve qui se réalise, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est un camion russe. Играй, играй, рассказывай, тальяночка сама о том, как черногла. On va monter jusqu'à un ancien camp qui est à 3500 mètres. Donc là, il nous reste 1100 mètres de dénivelé, ce qui permet de prendre un peu d'altitude, faire un peu d'exercice. Et puis voilà, demain normalement le départ pour le camp de base. Petit entraînement avec l'ascension de 3800 mètres qui est notre camp de base en bas jusqu'à 4100 qui se trouve derrière moi. Évidemment on voit rien, hein. Je me plains pas de l'acclimatation, pas trop mal au crâne, tout va plutôt bien. Il y a un vent qui pique un petit peu le nez, évidemment. À 4000 mètres, avec un niveau d'acclimatation moyen, on peut le qualifier de moyen. Pour ma part, je suis satisfait. Jusqu'à présent, les choses se passent plutôt bien. Donc, faisons un petit arrêt sur l'image. J'adore ça. C'est assez impressionnant. Là, on a le coucher de soleil derrière nous, mais évidemment, ça vous paraît certainement. Bref, ça vous paraît surtout pas en fait. Oops, I did it again. Ah, mauvaise nouvelle. Il y a 5500 mètres, le sommet à 150 mètres au-dessus. Et je suis pris par un mal des montagnes, malheureusement incontrôlable. Non, même si j'ai retrouvé un peu de forme, essayer de monter un peu plus serait, à mon avis, pas raisonnable. Un sommet, on s'en fout. On est déjà sur le point le plus haut de l'Europe. On n'est pas à 100 mètres près, hein, non? On s'en fout. Je suis un peu déçu quand même. Belle expérience aussi, même si effectivement tout l'objectif de ce voyage était d'atteindre le sommet. Or le sommet n'a pas été atteint, donc d'une certaine manière c'est un échec, mais comme souvent dans des échecs, on peut y trouver une satisfaction ou une autre forme de réussite. Alors 5005, ce ne sera pas 5006, mais c'est déjà 5005. Et l'autre leçon, c'est que je pense que j'ai besoin d'acclimatation, peut-être plus que par le passé.
Je pense que si j'étais resté 2 jours de plus, peut-être. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crime.